就是要给我chantier. Aujourd'hui, Bab Dada est heureux de voir la fortune. Tous les jeunes et vieux enfants de cette terre et de l'étranger. À travers le cycle entier, personne à part vous, les Imbrahmines, n'avait cette fortune. Même les déités considèrent que la vie brahmine est élevée. Chacun de vous devrait examiner sa vie depuis le début et voir combien sa fortune a été élevée depuis le moment de sa naissance. Dès qu'un enfant naît, il reçoit la fortune d'être soutenu par sa mère et son père. Ensuite, il reçoit la fortune d'une éducation. Et après cela, il reçoit des directives ou des bénédictions d'un gourou. L'enfant qui vous donne soutien, enseignement, bénédiction et Shrimat. Vous recevez tout cela de l'âme suprême des trois. Puis l'âme suprême. Voyez comment une seule poignée reçoit beaucoup de soutien de Dieu. Personne d'autre que vous ne reçoit les enseignements de Dieu, le professeur. Recevez Shrimat ainsi que les bienfaits du Sadhguru. Bénédiction du Sadhguru. Ainsi, connaissez-vous très clairement votre fortune? Bercez-vous continuellement en gardant votre fortune dans votre conscience? Chantez-vous la chanson « Oh, combien ma fortune est élevée ?» Om Shanti, inculcate the virtue of sweetness and love in your life, and all other virtues will easily come.
truth and sweetness in your words. La vertu de la douceur et de l'amour, votre vie et toutes les autres vertus viendront facilement. La vérité et la douceur dans vos paroles. Les enfants devaient assurément inculquer les deux vertus dans votre vie. La douceur et en deuxième l'humilité. You will constantly be a world benefactor, a great donor. Avec l'inculcation de ces deux vertus, vous serez constamment un bienfaiteur du monde, un grand donneur et une image de bénédiction qui accorde des bénédictions. Et vous serez capable facilement de donner la preuve de l'amour. Si vous avez la vérité et la douceur dans vos paroles, vous accumulerez des points dans les sujets. Le sujet de servir à travers vos paroles. Om Shanti, welcome to Vikti Parivar. Today's day 4. Inculcate the virtue of sweetness and love in your life and all other virtues will easily come. Today's topic, truth and sweetness in your words. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti, Baba's sweet, sweet children. Shanti, vos très, très doux enfants. Baba. Every time Baba starts speaking, first Baba, word comes out of his mouth is sweet. À chaque fois que Baba parle, le premier mot qui apparaît, c'est la douceur. Whether it is Murli or even when he met que ce soit dans le Murli ou même quand il écrivait des lettres aux enfants, nos enfants. Depuis notre cœur, nous disons combien est doux notre Baba, n'est-ce pas? Très doux. And that sweetness was visible into through his eyes. Et cette douceur est visible à travers ses yeux, ses paroles, le soin qu'il accorde. Baba always, always looked at us as sweet and fortunate children. Baba nous dit et nous voit toujours comme des enfants doux et fortunés. Baba nous parlait ainsi de notre fortune. Comment nous apprécions cette vertu. Et ce que nous recevons du Père, du Professeur et du Sadhguru. Ce Murli de ce matin était vraiment tellement, tellement aimant. Baba nous aime. Souvenez-vous toujours de cela. Dieu nous aime. So little things shouldn't bother us, right? Human beings, souls go through. Les êtres humains, les âmes, viennent chacun dans leur voyage spirituel, personnel. Et quelquefois, il y a cette faiblesse et ils sont affligés par rapport à ce qu'ils voient dans ce voyage. Non seulement nous sommes affectés, nous pouvons être influencés par rapport à notre niveau qui monte et qui descend. Je suis moi-même dans mon propre voyage, chacun de nous sommes sur un voyage. Au début, je me souviens quand je suis venue à Guyane. Nous offrons Bog. Il y avait beaucoup de messagères de trans à ce moment-là. And then when we returned, everyone shared their own message, the message of Baba.
But everyone was shown something different. C'est tel que nous envoyons deux ou trois sur le voyage dans les trains. Donc certains menaient vraiment une connaissance, ça venait vraiment du Murli, donc chacun avait ce message et c'était vraiment différent. Et j'ai commencé à douter moi-même de le fait de faire confiance aux autres. Et c'est très intéressant. Beaucoup d'âmes ont perdu leur propre respect de soi, ce qu'on a pu observer. Je ne peux pas dépendre du respect que je reçois, ce ne dépend pas de cela. Aujourd'hui, Baba disait, Baba, Dieu nous donne ce respect du soi. Et nous sommes tous des acteurs différents et nous jouons notre rôle. Reconnaissez vous tel que vous êtes et reconnaissez votre rôle. Ce n'est pas que je dois être conscient de mon rôle. Mais certains ont une attente par rapport à cela. Enfin, cela dépend. Et par exemple, si nous vivons, nous ne devons pas vivre par rapport à des titres, mais nous devons agir basé sur des valeurs. Nous trouvons que Brahma Baba est le fondateur. Trouver le Père en tant que fondateur, comme Brahma, c'est suivre toutes ces directives venant de Brahma Baba. Je n'oublie jamais que je suis le Père, que je suis celui qu'il est, il est celui qui s'occupe de tout. And we shouldn't forget that they are the same for each one of us. For each one. Nous ne devrions pas oublier, puisqu'en fait, tout ce que nous recevons, c'est de même, c'est semblable pour tout un chacun. Donc, ce que vous faites, ne le faites pas ainsi simplement comme cela. Cela est une référence, donc. Yagya, donc, afin d'inspirer les autres. Et pour cela, une des qualités importantes, c'est la vérité et la douceur. Donc, souligner cet aspect pour le devoir de demain. La vérité et la douceur dans vos paroles. La plupart du temps, la plainte est de telle, à travers des mots qui sont pleins de force. Pouvez-vous le faire? Non, vous pouvez le faire. Pouvons-nous le faire? Donc, en fait, à parler du fait que non, tu le fais. Donc, qu'il y ait toujours cette forme d'humilité. Donc, comprenez dans le cours qu'est-ce qu'on apprend. C'est cet aspect, en fait. Avez-vous compris? Est-ce que j'ai expliqué correctement que tu puisses comprendre? Certaines personnes disent qu'ils ne se souviennent pas, qu'ils ne comprennent pas. Mais est-ce que je l'ai dit ainsi, de telle façon qu'ils comprennent? Il doit être sûr qu'ils comprennent. Parce que quelquefois, nous parlons tellement vite, c'est dit tellement vite qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, comment être un bon leader? Donc, c'est avec légèreté, douceur. Ou les enfants. Devez assurément à l'inculcation de deux vertus dans votre vie, la douceur
et l'humilité. En vous imprégnant de ces deux vertus, vous serez constamment des bienfaiteurs du monde, des grands donneurs. Et des images bénies qui donnent des bénédictions. Et vous serez facilement en mesure de donner la preuve de l'amour. Si vos paroles sont emplies de vérité et de douceur, vous accumulerez des points dans le sujet du service par des paroles. Donc, un impact dans les mots, de telle façon que ça touche les cœurs des hommes et aussi avec douceur. Parce que les paroles ont un très grand impact. Donc, la vérité et la douceur dans vos paroles. C'est notre devoir pour demain. Om Shanti Didi, Om Shanti Family. Om Shanti Didi, Om Shanti la famille. J'aime la façon dont tu as commencé ce soir. Très simple, peut-être c'est une question, mais c'est un état. Parce que Dieu nous aime. C'est si simple et je pensais à cela parce que que nous devons donner à chacun. Entendre, ressentir, c'est que Dieu nous aime. Of course, we go through a lot to give the introduction of God, but just the fact that l'introduction de Dieu, mais juste le fait qu'il nous aime tant. C'est ce qu'il exprime, à travers son drishti, son amour. Je pense que tu as parlé du fait de cette droiture que nous devons avoir dans le fait de donner le message. Bien sûr, d'entre nous, nous ressentons cet amour de Dieu. Why is it difficult to convey this message, God? De convaincre le message que Dieu nous aime quelquefois. It's not difficult, but ce n'est pas difficile, mais il y a beaucoup de choses dans notre tête par rapport à ce que nous pensons, que les gens pensent. Donc, Baba dit, qu'est-ce que je pense? À chaque fois que vous dites, les gens disent, pense ceci, les gens disent cela, à chaque fois que vous pensez ainsi. Parce que nous pouvons penser à tout ce que peuvent dire les uns les autres. La façon dont nous sommes influencés, même subtilement, cela peut nous décourager. Ça peut changer nos paroles, nos mots, simplement en pensant à ce que les autres disent. Mais si nous avons Baba dans notre cœur, alors nous dirons simplement ce que Baba nous dit. Quand nous faisons cela, les autres peuvent ainsi expérimenter l'amour de Dieu. Mais si je suis déjà influencée, même si je parle de ce que Baba a dit, mais subtilement, profondément dans mon esprit, au niveau du subconscient,
Peut-être parce que nous voulons que les personnes nous aiment, que les personnes nous apprécient. Je pense qu'ils le feront plus si j'exprime l'amour de Dieu. Quelque part, ce que je note, c'est que nous pensons beaucoup par rapport aux opinions des autres. Même dans les Écritures, Brahma Baba a lu les Écritures, il a eu des gourous. Mais comment il a été capable de prendre de Dieu non seulement l'amour, mais la connaissance, la sagesse et même les directives? Ces directives, c'était complètement différent par rapport à ce que les autres disent, croient. Il parlait ainsi, il parlait simplement et ce qu'il disait était la vérité. Il y a eu tellement de situations adverses. Personne ne savait ce qu'était la pureté. Les personnes n'étaient jamais libres de vice. Donc, il y avait ce bouleversement, il y avait ces couleurs. Comment nous pouvons gagner si nous n'avons pas d'avidité, si nous n'avons pas d'engagement, comment la famille va grandir. Et quand nous appartenons à Dieu, à Baba, c'est complètement différent. Pour en vivre avec les uns et les autres, quand il n'y a pas d'attachement, où les peurs, les conflits, l'incertitude viennent de l'attachement. Et si nous sommes aimants et détachés, nous aurons de peur pour quoi que ce soit. Donc, il s'agissait de suivre Brahma Baba. Ça devrait être facile. Nous devrons commencer ainsi. Nous dirons simplement Om Shanti. Do you think this is the most important message we have to give at this time to people? Le message le plus important que nous devons donner aux gens. So there the problems they have with their own. Le problème qu'il y a quand Dieu nous aime. You love me, okay. This is the situation I have. So they will talk to God. And then God has to respond. Then of course things can be better. Nous parlons de Dieu et Dieu nous doit nous répondre. And maybe this is connected to the same question. D'être connecté à la même question à laquelle je pensais beaucoup aujourd'hui entre nous pensons beaucoup, tellement. Nous sommes l'incarnation de nos pensées, tellement nous pensons. On vient de l'expérience. Tu nous parlais de ça, l'incarnation des pensées, l'incarnation de la conscience. Quelle est la différence? Est-ce qu'il n'y a pas quelques aspects que tu peux nous dire qui pourra nous aider vers cette direction, l'incarnation de la conscience? Everything begins with thinking. Tout commence avec la pensée. La pratique vient aussi à travers la pensée. Si vous pensez, vous allez changer la conscience, l'incarnation. Donc Baba dit, donc Baba parlait de Smriti Swarup, c'est ce que Baba utilise comme terme. Donc, quand je pense à travers cette pensée, je suis une âme. Voilà, je pratique, je suis une âme. Mais encore une fois, si je suis une âme, je dois être un aimant, paisible. Je dois être pur. Quand vous y pensez à cette conscience de ce qu'est cette conscience de l'âme, est-ce que je suis dans cette conscience de l'âme? Est-ce que de ma forme éternelle, ma forme originelle émerge de cela?
Et Baba dit, vous êtes une âme brahmine, tu es une âme brahmine, tu es une âme soit d'archange, chakradhari. Tout vient par la dharma, c'est-à-dire dans une vie pratique. Et ce que Baba mentionne, l'incarnation de la conscience. Par exemple, vous êtes en colère, vous êtes pris par... Et quelqu'un va vous dire, c'est de la conscience du corps. Si vous pratiquez ça depuis le matin, de cette conscience de l'âme, cette conscience va créer donc une forme d'éveil. Donc, nous devons être vraiment dans ce niveau d'introversion et tout en étant introverti, pratiquer le fait de regarder l'autre en voyant l'âme. Si vous regardez l'autre personne en tant qu'âme, cette vibration, ça va dire quand vous donnez les 7 jours de cours, juste penser que c'était mon âme frère, c'est l'enfant Baba. Même Brahma Baba lui-même, quand il rencontrait les gens, il prenait 5 minutes, 10 minutes, et en prenant cette conscience, et les autres avaient tellement de questions après par la suite, mais quand Baba commençait à dire les enfants en chantier et leur parlait, ils oubliaient leurs questions, ils oubliaient le fait qu'ils avaient tant de questions. Et parce qu'ils étaient tellement impressionnés. Ils n'étaient pas dans une forme d'investigation. Donc, bien sûr, ils avaient quand même des questions qui arrivaient, mais ils n'étaient pas autant dans autant d'investigations. Je me souviens qu'une fois, je allais à Delhi pour quelque chose et Baba a dit, si tu parles à cette âme et que tu regardes l'âme en tant qu'âme, dans ce niveau de conscience d'âme, ils ne te diront jamais non par rapport à quoi que ce soit. Par rapport, nous avions besoin d'aller voir les gouvernements, les ministres, Baba donner ses blessings. Restez dans ce niveau de conscience d'âme. Regardez l'âme. Quoi que vous disiez, quel que soit ce que vous auriez besoin, ils ne seront pas capables de dire non. C'est quelque chose dont nous devons nous souvenir. Faire toute chose. Pratiquer la conscience d'âme avant de partir aller dans la base room et prenez le temps de pratiquer la conscience d'âme. Quand nous avons cette conscience et que nous pratiquons cela où que nous allions, je suis une âme, je donne la confiance à cette âme. Prenez quelques minutes pour créer cette conscience de façon correcte. Ça doit se faire dans l'action, pas simplement en étant assis. Tout cela, il doit être dans la pratique, tout en étant assis. Si vous voulez être Smriti Swarup, Swarup, c'est les sanskars sont créés par l'action, non à travers les pensées. Donc, quand il y a ces sanskars qui créent en conscience d'âme, alors assurément, vous serez dans l'incarnation de cette conscience, la conscience que vous souhaitez. C'était très beau. Also connect something else that Baba was saying today about par rapport à ce que Badi nous a dit aujourd'hui d'accumuler les trésors. Il a dit par exemple les trésors des mots. Je pense qu'il donnait cet exemple bienveillant. Ça devient un trésor. Et actuellement, la combinaison des vertus faire grandir ces trésors. Speak in the awareness and emerge that quality, for example, in order for those words to become like a treasure that we accumulate. Et ça permet d'avoir une accumulation des trésors.
ça peut être une façon ordinaire de parler. So is that how it becomes from an ordinary to, you know, treasure something very valuable that we take with us for the future? D'être l'incarnation des trésors, toutes les vertus que vous allez utiliser tout en faisant des actions deviennent des trésors. C'est-à-dire vous pouvez être aimant tout en faisant Brahma Bhojan, vous êtes très aimant, l'amour pour Baba. L'amour pour la famille, comme Baba disait, faire les choses avec amour. Ce ne sont pas des actions, mais assurément, ça deviendra des sanskars. Donc, les qualités sont très importantes par rapport à ce que vous faites. Quel est votre état d'esprit? Faites parce que c'est votre devoir et votre département ou trésor, si vous le faites avec amour. Donc, c'est le trésor de l'amour. Cela vous montre vos qualités, vos pouvoirs et vertus. Et ces vertus deviennent des trésors. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ces vertus. À n'importe quel moment, cela devient votre trésor, votre nature. Parce que en faisant des actions, nous oublions. Je dois faire des actions, je dois accomplir cela. Tout l'intellect est compris dans l'action. La conscience est là, mais elle est fondue. Mais si je fais émerger la conscience de n'importe quelle qualité, je restais dans un profond silence, tout en faisant donc. Et alors, ça devient votre trésor. Donc, il s'agit de combiner la conscience et la vertu. Si vous la combinez, je suis naturellement comme cela, ainsi. Naturellement, la réponse sera naturellement avec humilité. Donc, cela devient. Donc, c'est que l'humilité est votre trésor. Parce que je me pensais, pourquoi Baba utilise ce terme trésor? Aujourd'hui, quand tu dis que utiliser la vertu, que ça devienne un trésor, je ne sais pas si nous avons du temps, mais. You know, when Baba, I think, talked today about many forms, the original form of the soul, the eternal form of the soul, the original form of the deity, Brahmin. De la femme Brahmin, de la femme de déité. When he was making reference to. Et mais quand il faisait référence sur comment. It's in my nature, for example. He was asking the question, are you a Brahmin at that time? Il posait ces questions, êtes-vous brahmin ou est-ce que vous êtes des guerriers? Souvent cette connexion, non brahmin et shudra, mais je brahmin et guerrier. Il peut y avoir des conflits, cette forme de bataille. Peux-tu clarifier cela? Pourquoi Baba utilise cette forme de brahmin et guerrier? Très peu de brahmines deviennent des shudras. Certains redeviennent cela, mais c'est plus dans le sens de brahmines et guerriers. Quand nous devenons brahmines, nous avons ce but de pureté. Notre tâche depuis l'enfance, la vie de brahmine, c'est d'être conquérant des vices. Donc la bataille commence. D'essayer de faire cela, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. C'est comme une bataille, un combat. Il y a beaucoup d'aspects qui montrent que ce que tu dis est vrai. Il peut y avoir une pensée qui peut ne pas être brahmine.
Ça peut être visible quand la façon dont les personnes argumentent, la façon dont elles disent les choses. Il n'y a pas de conflit tel que les Shudras. Mais ils pensent que tout ce qu'ils font est vrai. Dans la vie brahmine, vous êtes l'image de Brahma, les Brahma Kumaris, une organisation des Brahma Kumaris. Vous êtes l'image réellement de brahmine. Donc votre conduite devrait être comme Brahma Baba. Il s'agit de suivre Brahma Baba. Donc, assurément, il y a vraiment cette comparaison entre brahmine et guéri. Donc, nous n'avons pas à nous justifier par rapport aux uns aux autres. Donc, il s'agit dans le fait d'écouter, d'accepter, et en même temps d'y penser. Donc, cela, c'est la qualité brahmine. Donc, sinon, oui, il y a cette pensée que c'est comme mourir, en fait. Si la vie brahmine mourait, en fait, si on entre dans ce sentiment de guerrier. Sangam Yug ka varsa yahi hai Shiv se milan manana Samay swas sankalp sabhi Seva mein lagana Pavitrita barsaye jag mein Pavitrita barsaye फरिश्ता झलक तुम्हारी शिव पिता ने दी है तुमको शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी श्रीमत कितनी Certaines des choses que nous entendons, bien qu'elles sont utiles, certaines doivent être soulignées particulièrement. Le premier point, c'est le fait de devenir Narayan, d'être humain. Deviendrons Bhavsaman en suivant la façon de le Père et se change. Comment deviendrons-nous comme le Père si nous n'avons pas ce processus de faire un effort comme lui? Alors comment pouvons-nous devenir comme lui en finale? Nous lisons certains livres comme l'histoire, etc. Cela semble très important, beaucoup plus important, ou quelquefois la question de l'université qu'apparaît dans les examens, nous a soulignant certaines choses ou d'autres. Donc n'oublions pas alors que nous révisons. Dada. Ce que nous lisons dans les autres histoires, qui ne sont pas des histoires pour transformer les vies, ce sont juste des histoires intéressantes. De Baba est l'histoire qui amène le changement. Ceux qui lisent correctement, ils vont lire des choses de façon propre. Personne ne peut dire « je n'ai pas changé ». En venant à la connaissance, certains donnent des livres, disent que ce livre est très bien. Donc, on leur dit, après les avoir écoutés, je viens à la conclusion que certains changements dans leur vie aussi est nécessaire.
Ils ne changent pas à travers donc les bouquins en question. Pour changer, ils changeront beaucoup et ceux qui portent attention à d'autres choses, ils changeront un petit peu. Il y a beaucoup de détails. Il y a au moins 4 ou 5 choses principales pour la transformation qui sont très importantes, qui transforment la vie. Qui nous amène au changement à travers la vie de Baba. Baba était dans le business des diamants, des joyaux. Il a accompli de la dévotion et a vécu comme un grand dévot avant de devenir Brahma Baba. Om Shanti Vikti Parivar. So tomorrow is Monday and our schedule from Amritvela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening, there will be a Vikti Chiramuli class from 5 to 5:15. And then we will have Bhatti at 6 p.m. followed by Hindi series, English series and a Vikti Charani. Welcome to Avik the Journey. Avik Muli is from 1969. Multi-million fold fortune and blessings. Shanti. C'est la Vyakta Murli du 11 juillet 72. Augmenter le pouvoir de la décision. Réaliser les qualités du Père. Donc, regardez-vous. Est-ce que j'expérimente constamment les acquisitions du bonheur dans une mela? Est-ce que je célèbre constamment une rencontre? Qu'indiquera ce qui célèbre constamment dans le bonheur? Quelle sera leur spécialité? Qu'indiquera ce qui reste dans une joie de la décence de constamment célébrer une rencontre? Que sera leur spécialité? Ceux qui sont constamment absorbés dans le fait de célébrer une rencontre ne seront jamais piégés par aucun obstacle. La rencontre enlève les obstacles. De telles âmes seront des destructeurs d'obstacles. Une rencontre, on dit qu'une rencontre est faite avec un profond amour. S'il y a un type d'obstacle qui vient et que vous devenez influencé par les obstacles, alors qu'est-ce que cela signifie?
que vous ne célébrez pas constamment une rencontre. Vous dites aux autres de reconnaître le temps et de prendre du bénéfice de cela. Est-ce que vous vous donnez cet appel, on va dire, à vous-même? Ou prévenez-vous simplement les autres? Quand vous donnez cette prévention, alors vous ne serez pas capable de rester éloigné d'une rencontre, même une seconde. Célébrer une rencontre à chaque seconde. Quand une immense méla a lieu, son temps est fixé. Cette méla va durer pendant une certaine période, pendant un certain temps, et ensuite elle se termine. Une immense méla a lieu pendant une très courte période. Et donc, que ferez-vous? Vous essayerez de célébrer cette méla. De la même façon, si vous ne célébrez pas la méla de l'âge de confluence, cette méla aura-t-elle lieu à un autre moment? C'est seulement dans cette courte période que la méla, la rencontre du père avec les enfants, a lieu. Donc, que ferez-vous dans cette méla pendant cette courte période? Vous devriez célébrer chaque seconde. Donc, afin de connaître les spécialités de la période présente, du temps, imprégnez-vous de ces spécialités en vous-même et vous deviendrez automatiquement des âmes élevées. Le but de chacun est de devenir une âme élevée, n'est-ce pas? Tout en ayant le but de devenir des âmes élevées, pourquoi faites-vous des efforts ordinaires? Si votre but est élevé, alors pourquoi vos qualifications sont celles d'une âme ordinaire? Quelle est la raison de cela? Vous oubliez le but. Comment ceux qui gardent un but oublient-ils leur but? Comment est-ce que cela est possible? Pourquoi le pouvoir de trouver une solution à n'importe quel problème manque? Quelle est la raison de cela? Pourquoi n'êtes-vous pas capable de trouver une solution? Parce que vous ne trouvez pas de solution, vous n'êtes pas capable d'atteindre le but que vous gardez. À suivre. We will continue tomorrow. Om Shanti.